Les gars, je date des meufs pour vous, les gars. C'est pour la bonne cause, les gars. Je me sacrifie. Hein? Je me sacrifie pour pouvoir faire des retours sur des cas réels. Qu'on soit pas que sur j'ai lu ça dans tel livre. Non. Là, je vais au charbon pour vous, les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Pour la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Tu viens d'arriver, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux déjà mettre un j'aime en avance parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, ça c'est sûr et certain. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passe à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, va falloir un petit peu d'oseille les gars, parce que sinon ça va pas se faire tout seul. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine avant de créer l'arnaque. Regarde quand même, hein. Après si tu veux, tu pourras revenir mettre arnaque tout ça. Et deuxième chose, alors là tu vas vraiment crier à l'arnaque, c'est Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire au minimum les 5K par mois. Donc ça c'est si jamais tu connais déjà, sinon tu vas te déborder. Tu vas dire, 5K, mais c'est impossible, n'importe quoi. T'es aujourd'hui les gens ils nous prennent des pions, hein. Donc du coup, dans Pirate Marketing, je t'ai rajouté un bonus sur comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir en immobilier aussi, sur le personal branding et sur aussi un bonus complémentaire sur l'e-commerce. Ok, et en plus de ça, si jamais tu passes via ton CPF, tu peux accéder à du coaching via l'incubateur. Ok, donc de toute façon, si tu veux en savoir plus par rapport à tout ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone et tu auras accès à un appel gratuit. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Ils sont formés pour ça. Tu pourras poser toutes tes questions, que ce soit sur le business, dans quoi tu veux te lancer. Est-ce que Pirate Marketing, ça te correspondra ou pas en fonction des objectifs que tu as. Ok, donc c'est sans engagement, c'est gratuit. Arrête de paniquer, les gars. À un moment donné, si tu fais rien, il va rien se passer. Hein. Et donc, pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évreux en 91 et j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Hein. On a grandi dans le quartier des Pyramides, les gars. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, qu'on est libre. Hein, qui me permettent de pouvoir partager les petits cas concrets qu'on va voir dans un instant. Hein, ça ne s'est pas fait tout seul, les gars. C'est parce qu'on peut voyager, les gars. Et j'ai connu le business en ligne super tard. Là, allez, blablabla. Tout ça pour te dire arrêtez avec vos excuses, les gars. Arrête avec tes excuses. Hein. Si tu fais rien, il va rien se passer et c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de ta grand-mère. Passons directement au sujet de la vidéo. Voilà ce qui se passe quand tu ignores une femme. Donc tu sais, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur le sujet où je te dis exactement les différentes choses qui se passent, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau lorsque tu l'ignores. Donc comme tu le sais, la femme elle est hypergame, ou peut-être que tu le sais pas, donc voilà, je te le dis. La femme elle est hypergame, ça veut dire qu'elle va toujours vouloir dater quelqu'un qui est socialement, économiquement plus élevé, qui a plus de statut, qui est plus fort, qui est plus grand, qui est tout plus que elle. Donc du coup, ça va se traduire sur comment elle choisit son homme, ok. Et du coup, la manière dont toi tu vas agir va lui envoyer des signaux, parce que la femme elle a un skill social beaucoup plus élevé que l'homme, ok. Elle peut sentir les choses. Et par rapport à la manière dont tu te comportes, elle va savoir si jamais tu es le high value man qu'elle recherche, ok, ou le alpha qu'elle recherche. Les hommes les plus attractifs en vérité, ne suivent pas du tout ce que la société conseille de faire, ok. De toute façon, aujourd'hui tout le monde est perdu, tout le monde est énergie. The times they are changing. Yes. Les hommes savent plus comment on fait pour être un homme, qu'est-ce qu'il faut. Les femmes veulent que les hommes deviennent des femmes et puis après elles disent où sont les hommes. C'est du n'importe quoi de nos jours. Je pense que tu es au courant. De toute façon, tu vas aller plus loin avec ça pour savoir les secrets de la nature féminine. T'as tout en description, t'as Zeus, c'est un prix super attractif, fais-toi plaisir. Donc évidemment, comme je t'avais déjà dit dans d'autres vidéos, quand tu l'ignores, forcément tu envoies un message comme quoi tu n'as pas le temps. Et si tu n'as pas le temps, c'est que tu es focus sur quelque chose. T'es focus sur, j'en sais rien, pour devenir une meilleure version de toi-même, t'es forcément focus sur quelque chose, tu fais quelque chose, ok. Parce que tu vas pas ne pas, par exemple, tu vas pas l'ignorer alors que t'es en train de jouer à la console, non. Tu vas l'ignorer parce que t'es busy, parce que t'as des choses à faire, t'es en train de faire ton business, etc. Ou je sais pas, t'es en train d'essayer de devenir le meilleur footballeur du monde. Mais bref, en tout cas, t'es busy. Et ben forcément, ça va l'exciter parce qu'elle va se dire, ce gars, si jamais il est busy, si jamais il est occupé, ça veut dire qu'il va devenir quelqu'un. Donc du coup, ça l'excite. Hein, c'est pour ça que c'est déjà arrivé. Je me rappelle un pote à moi qui avait ouvert sa salle de sport. Il m'avait dit au début, c'était à l'époque du lycée. Au lycée, les meufs, elles ne les calculaient pas. Toutes les bonnes meufs, elles ne les calculaient pas. Et quand il a ouvert sa salle de sport, tout d'un coup, il a pu gérer toutes les meufs. Et il m'a dit ça. Voilà. Il a pu gérer toutes les meufs. Bref, tout ça pour te dire. Et après, il ne faut pas être vénère. Ah ouais, c'est toutes des ceci, c'est toutes des cela. Non, les femmes sont attirées par certaines choses chez l'homme. Les hommes sont attirés par certaines choses chez les femmes. C'est comme ça, c'est comme si, ok. Donc ça, c'est un des points de pourquoi, lorsque tu l'ignores, voilà ce qui va se passer. Elle va être attirée par toi. Après, j'ai fait plusieurs vidéos où je t'en parle, mais c'est déjà un des points, ok. Et autre chose que je vais illustrer via des cas concrets de ma vie personnelle, les gars. Hein, c'est un peu en mode story time, les gars. Les gars, je date des meufs pour vous, les gars. C'est pour la bonne cause, les gars.
Je me sacrifie. Hein? Je me sacrifie pour pouvoir faire des retours sur des cas réels. Qu'on ne soit pas que sur j'ai lu ça dans tel livre. Non. Là, je vais au charbon pour vous, les gars. Ne me remercie pas, Gérard. Ne me remercie pas. Ça me fait plaisir de pouvoir aider la cause. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai ignoré une femme? Alors, comme d'habitude, boum. En général, j'utilise l'application de dating. J'étais en Colombie, boum, boum, je m'installe. Je connais toutes les stratégies pour pouvoir avoir des dates en illimité. Tu connais déjà, hein, il y a Funnel Tinder où je partage d'ailleurs exactement toutes les étapes pour pouvoir avoir des dates en illimité. Ok, qui que tu sois, si jamais tu as déjà du succès, tu en auras encore plus avec des femmes de meilleure qualité encore. Ok, si jamais, je vais pas dire meilleure qualité, sinon les femmes qui sont bien, mais on n'est pas des objets. Oh, t'es lourde. Et même si tu n'as jamais eu de date ou tu as du mal à matcher sur Tinder, tu vas matcher. Avec ce que je te dis de faire, tu sauras exactement quoi dire. C'est quoi le message d'intro, les photos, la bio, après, derrière, comment récupérer le numéro, etc. Je monte tout étape par étape. Tu peux pas te rater, j'ai mélangé ça. De mon expérience, plus je me suis formé aussi pour ça. En fait, j'ai utilisé des stratégies marketing comme tunnel de vente, sauf que c'est le prospect, là, c'est pas un prospect, c'est les femmes, c'est tout simplement. Okay. Donc voilà, oui, les femmes, on est obligé d'apprendre le game. Les femmes, vous n'avez pas besoin d'avoir de game puisque les hommes viennent à vous. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc ta funnel Tinder, si jamais tu vas aller plus loin par rapport à ça. Donc du coup, pour revenir à mon histoire de la Colombienne, je suis juste en train d'y réfléchir. En fait, elle, non, celle, pour l'exemple en tout cas, je vais te donner. Pour la plupart en général, j'utilise les applications de dating. Parce que funnel Tinder, je t'ai dit, c'est Tinder le titre, mais ça marche pour toutes les applications. Et même Instagram. Mais elle, j'avais pris son numéro dans la rue, ok. Donc très bon niveau, au moins pratiquement à 8, tu vois, je dirais. Ok. Donc du coup, tu sais que déjà, quand tu arrives sur des femmes comme ça, tu sais qu'elles vont se la raconter. Alors, c'est pas qu'elles se la racontent, mais c'est juste logique. Elles ont plus de choix. Donc, elles vont être plus picky, tu vois. Elles veulent faire le meilleur choix, etc. Donc, forcément, elles vont être un peu plus picky. Ok, elles vont être un peu plus, je sais pas comment le dire en français, mais un peu plus difficile. Elles vont faire plus de chichi. D'où pourquoi c'est une obligation de l'ignorer. Ok, alors l'ignorer, ça dépend. Si jamais elle répond, c'est bon, tu vois. Mais si jamais elle commence à, tu lui envoies un message, elle ne te répond pas, ne réponds jamais. Ça veut dire, ça ne sert à rien. Il faut que tu l'ignores. Tu lui envoies un message, elle ne te répond pas derrière, ne vois pas un point d'interrogation. Ok, tu l'ignores. Et pourquoi? Pas pour faire genre, je suis vénère, je t'ignore. Non, c'est pour lui montrer que tu n'as pas le temps, en fait. Et quand elle voit que tu n'as pas le temps, elle se dit, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi tous les autres, ils m'envoient des messages? Et lui, du coup, il m'a jamais renvoyé un message. Parce qu'elle, dans sa tête, elle se dit, bon, de toute façon, je ne lui réponds pas, mais il va m'envoyer un message tôt ou tard. À un moment donné, il va m'envoyer un message. C'est ça qu'elle se dit. Surtout pour les meufs, plus la meuf, elle est bien, plus c'est comme si tu joues en CFA. En CFA, ça va. Tu te dis, bon, ça va, tu peux faire 2-3 erreurs. Hein, tu manques un contrôle, etc. Et encore. Après, quand tu montes en Ligue 1, et après, quand c'est déjà un autre niveau, en Ligue des Champions, la moindre erreur, tu prends un but. La moindre erreur, eh ben là c'est pareil. Là, quand tu arrives sous des niveaux comme ça, c'est simple. Ça sert à rien d'essayer de répondre en mode t'es énervé ou je sais pas quoi. Ça sert à rien de répondre. Ah, c'est simple. Un petit conseil, petit extrait, c'est cadeau. À partir du moment où la meuf n'agit pas comme tu voudrais qu'elle agisse, ou elle manque de respect, ou tu estimes qu'elle n'a pas agi comme tu voulais, elle n'a pas répondu ce que tu voulais, ou ça ne va pas dans le sens, elle est un petit peu irrespectueuse, ou tu sens qu'elle ne te valorise pas vraiment, tu ne réponds pas. Tu dis pas, ouais, mais t'as l'air chelou aujourd'hui. Oh, mais tu dis pas des trucs comme ça. Tu dis, oh, mais pourquoi là, là? Non. Tu vois? Ou sinon, je connais des gars, ils s'énervent. Ouais, mais tu sais pas qui je suis là, allez. Ou tu essaies de la piquer. Non, ça sert à rien. Si tu vois que la meuf, elle agit pas comme tu veux qu'elle agisse, juste, tu la calcules pas. Tu l'ignores. Ok? Donc, ce que j'ai fait avec cette meuf-là, j'explique toutes ces stratégies-là vraiment en détail, étape par étape dans Funnel Tinder. Hein. Donc, ce que j'ai fait avec cette meuf-là, c'est que genre, j'ai vu qu'au début, elle était chaude, après, elle s'est refroidie, nanana, je sais pas quoi. Je pense qu'elle avait un gars qu'elle n'avait pas oublié aussi. Bon, il y a un mélange, ou pas, ou peut-être pas. Et donc, bref, en tout cas, j'ai mis en place ces stratégies, boum, boum, ce qui fait qu'à un moment donné, je l'ai ignoré. Voilà. J'ai ignoré, boum. Et après, il faut que tu sois patient aussi. Il faut que tu saches quelque chose. Parce que là, je vais te donner 3 exemples sur 3 continents différents. C'est cadeau. Du coup, après, je l'ai ignoré. Peut-être après. Je pense un mois et demi après, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ce week-end? J'aimerais te voir. Okay? Ce qui est super rare qu'une femme vienne, je te dis juste, te propose un date, surtout à ce niveau-là. Okay? Il faut faire une différence, les gars. Chaque fois que, comme je t'ai dit, chaque fois que tu changes de ligue, c'est pas la même chose.
Pareil, quand tu as une relation long terme avec une meuf qui est moyenne et une meuf qui est plus tu montes de niveau, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a des gars, ils se la racontent, ouais, moi je suis resté super longtemps avec ma meuf. Ouais, mais frère, elle est obèse. C'est ce que je veux dire. Enfin, à un moment donné, c'est cool, c'est bien. Tu vois, je suis pas en train de critiquer, mais viens pas te la raconter, c'est sûr que si la meuf elle a pas d'option, c'est sûr qu'elle va pas partir. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup voilà, elle m'a envoyé ça. Donc il faut être super patient, je crois pas qu'elle va te répondre dans une semaine. Les meufs elles connaissent les trucs comme ça. Donc ça c'est le premier résultat de quand j'ai ignoré. Deuxième, c'est quand j'étais en Roumanie. Elle aussi, elle c'était un 8 quoi. Ouais, franchement elle était belle. Elle c'était un 8. Elle était super chaude au début, après finalement elle dit ah non, franchement je suis plus chaude, etc. Elle répondait un petit peu, etc. Mais après genre j'ai juste ignoré. J'ai fait la stratégie. J'ai juste ignoré, boum. En plein milieu d'une conversation, j'ai ignoré, boum boum. Donc quand j'ai vu, évidemment, j'ai dit vas-y viens on se voit, elle me dit ah bah ouais, elle commence à faire des chichis, ouais finalement je crois qu'au dernier moment elle a annulé ou un truc comme ça, elle m'a donné une excuse bidon, après tac, mais elle continue à répondre, etc. Et après j'ai juste stoppé la conversation, fla, j'ai coupé, bah, de toute façon ça sert à rien, je veux dire, au lieu de s'énerver de machin, parce que quand tu t'énerves, ce qui se peut se passer, tu vas juste la perdre en fait, tu vas juste la perdre, ou parce qu'une meuf c'est émotionnel, donc tu vas, si tu la piques, elle va te bloquer, si tu réponds un truc de canard, de bêta, elle va dire lui c'est un bêta, elle va te mettre dans le truc des bêta. Donc en vérité, la meilleure stratégie que tu fais, comme ça t'es sûr que tu feras aucune erreur, c'est que tu l'ignores. Et je l'ignorais, boum, un mois après, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais ce soir, j'aimerais qu'on se voit. C'est aussi simple que ça. Okay. Et après, je vais te dire, et tu as bien fait de rester jusqu'à cette partie-là, parce que je vais te dire après pourquoi sur le troisième cas concret. Donc, celui-là, c'est en Thaïlande. Thaïlande, pareil, même principe. La meuf, elle fait un petit peu sa maline. On s'était vu une fois, je crois. Ouais, on s'est vu une fois. Après, la meuf, elle fait sa maline. J'ai juste arrêté, j'ai juste ignoré. Boum, j'arrête de parler avec elle. Là. Je l'ai sans vue, j'ai arrêté. Elle, ça a pris un peu plus court, peut-être 2 semaines, je pense. Elle dit, ouais. Tu m'as oublié, t'es avec tes bêtes, tu vois. Donc voilà ce qui se passe dans le cerveau de la femme. Quand elle voit que tu l'ignores et que tu la calcules pas, c'est parce qu'elle se dit dans sa tête directe, lui, il est avec d'autres meufs. Il est avec ses bitches, il est dans un harem, il est là, il danse, il zouk. Ah ouais, là, c'est sûr et certain, là, il est avec toutes ses bêtes. C'est ça qu'elle se dit dans sa tête. Okay, parce que tous les autres, ils sont tous là. Parce qu'elles, quand elles sont occupées, c'est parce qu'elles sont avec d'autres gars. Donc, elles se disent la même chose pour toi, tu vois. Bon, après, dans ce cas-là, elle avait peut-être pas trop tort. Mais bon, je fais tout ça, les gars, pour la bonne cause, pour vous, les gars. C'est pour vous que je fais ça, les gars. OK? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, concrètement, elle va te voir beaucoup plus comme un gars high value man parce que tu n'as pas le temps, tu as des choses à faire. OK? Après, l'idée, c'est comme pas de fake. Genre, t'as pas le temps, fais vraiment quelque chose, ouvre ton business, frère. Parce qu'à un moment donné, même si, ok, ça, parce que là, ce que je te dis là, tout ce que je t'ai dit, si tu l'ignores, ça fonctionne, ok, peut-être à court terme, ok, elle va t'attirer par toi, elle va venir vers toi, etc. Quand elle va voir, parce que la meuf, je t'ai dit, elle a des skills sociales, des compétences sociales beaucoup plus élevées, quand elle va voir que t'es un mytho, que c'est pas aligné entre la manière dont tu te comportes et qui tu es vraiment, elle va le voir direct et après tu vas faire un premier date et après elle va plus trop parler. Ou vous allez faire 2-3 dates et puis une semaine après, t'as plus de nouvelles. Tu vas dire mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que les gars, rien ne remplacera le travail sur soi. Hein. Si t'as pas statut réellement, parce que tu agis comme un high value man, mais derrière en vérité, t'as pas d'oseille, t'as pas de statut, t'as pas de confiance en toi, tu connais pas les secrets de la nature féminine, tu vas la mettre sur un piédestal et après si tu la traites comme une star, elle te traitera comme un fan. Donc après tout de suite, elle va voir. Elle va voir direct. Et c'est où si tu as de l'argent. Et même c'est pour ça que l'argent, c'est même pas suffisant. Parce que si elle voit que tu as que de l'argent, mais que tout le reste, tu connais pas le secret de la nature féminine, tu as Dieu sans description. Si jamais tu n'es pas confiant, tu sais pas comment la lider, tu sais pas comment être un homme en fait, hein, ben après, elle va juste prendre ton argent et elle va partir. Donc tout le monde fait comme si c'était si compliqué que ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc oui, si tu l'ignores, ça fonctionne. Si jamais aussi tu as certaines values, aussi, certaines valeurs sur le marché du célibat. Si tu es obèse, que tu vis chez tes parents, que tu n'as pas de taf, frérot, tu auras beau l'ignorer, va s'en bat les reins. C'est ce que je veux dire. Et en plus, il y a des stratégies que j'utilise, parce que là, je t'ai juste dit, je l'ai ignoré, mais après, j'ai mis des trucs, des stratégies en parallèle. Et ça, c'est pour tous les gens qui vont prendre Funnel Tinder, qui auront exactement les stratégies à mettre en place. Parce qu'après, il n'y a pas juste ignorer, il faut lui faire comprendre aussi qu'elle est en train de perdre quelque chose. Bref, en tout cas, tu as tout dans Funnel Tinder. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés.
Il y a eux et à nous. Je suis avec ton camp. Non, me remercie pas. Je vais continuer à travailler pour vous, les gars.